Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. D'accord, ça fait toujours plaisir et j'ai envie de te dire, c'est surtout pour toi. Je le dis pour toi. À un moment donné, voilà, faut s'abonner quoi. Comment créer une formation en ligne? Alors comment créer une formation en ligne? Je vais te le donner en 3 étapes. D'accord, ça peut paraître super qu'au départ, on se dit « Ah, c'est chaud et tout, comment je vais faire ça ?» Mais en vérité, tu verras, c'est super simple une fois que je te l'aurai dit. J'ai même hésité à en faire une vidéo pour te dire, mais je pense que ça peut en aider pas mal. Donc, première chose, trouver les problèmes, les difficultés que rencontre ton marché. On va prendre un exemple classique, la perte de poids. Donc, les gens qui sont en surpoids, ben, ils veulent perdre du poids, tout simplement. Donc, la problématique qu'ils ont, c'est de perdre du poids. Alors, là, c'est un exemple. Si jamais toi, vraiment, tu veux te lancer dans ce marché-là, je te conseille de prendre une niche dans la niche. Ça veut dire que si jamais tu fais pas juste la perte de poids classique, il faut que tu te positionnes. Donc, une fois que tu as trouvé la problématique de ton marché, eh ben, la deuxième étape, c'est tout simplement de trouver la solution qui va leur permettre d'atteindre leur objectif, donc de perdre du poids, en l'occurrence, pour l'exemple que je viens de citer. Okay? Ensuite, une fois que tu as trouvé la solution, ok, donc si jamais tu ne sais pas comment faire exactement, bah tu t'entoures d'experts qui ont déjà réussi à atteindre cet objectif-là, par exemple. Tu lis 3-4 livres sur le sujet, ok, si jamais ce n'est pas ton expertise de base. Okay. Donc, si, même si ce n'est pas ton expertise de base, tu peux réussir à trouver la solution en lisant des livres, en te formant toi aussi. Ensuite, troisième étape. Eh ben, décortiquer les étapes, d'accord, qui permettent d'emmener du point A. Donc, le point A, c'est le fait qu'il soit en surpoids, d'accord. C'est cet état-là qui est au point A. Et le point B, c'est le fait d'être au top, d'avoir un corps de rêve, tout ce que tu veux, ok. Donc, ça, c'est l'aspiration de ton prospect. Donc, il faut que toi, maintenant que tu as la solution et que tu as le début, il faut que tu le fasses en étapes. D'accord, il faut que tu fasses vraiment étape par étape le cheminement qui va emmener ton prospect au résultat. C'est aussi simple que ça. Pas après pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Le jour 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Jour 2, qu'est-ce qu'il doit faire? Jour 3, qu'est-ce qu'il doit faire? Semaine 2, qu'est-ce qu'il doit faire? Semaine 4, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir atteindre l'objectif? Si jamais ça doit se faire en 5 mois, ce sera en 5 mois. Si c'est en 1 mois, c'est en 1 mois en fonction de ton marché. Ok, donc voilà, c'est aussi simple que ça pour pouvoir créer ta formation en ligne. Et tu peux la livrer, que ce soit en formation vidéo, que ce soit en audio, que ce soit en podcast. D'accord, bon, en général, les gens aiment bien les vidéos. C'est le véhicule qui est le plus proche de l'être humain. Tu vois, on peut pas faire plus proche. Hein. L'essentiel, c'est que tu puisses livrer la promesse, c'est-à-dire que le prospect puisse perdre du poids pour notre exemple. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation offerte sur comment créer ton business en ligne. Dedans, tu verras, je partage avec toi plus de 25 idées de niches rentables, comment créer ton offre, comment créer ton tunnel de vente. Enfin, tu as tout dedans. Ce n'est pas l'encyclopédie, d'accord, mais en tout cas, tu as suffisamment pour pouvoir passer à l'action, ça c'est sûr et certain, et avoir tes premiers résultats. Sinon les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. Restez déterminés les gars.